Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu Age of Empires 2, la campagne des Conquérants. Et aujourd'hui, nous attaquons la deuxième mission de la campagne d'Attila le Hun, qui s'intitule La Grande Chevauchée. Maintenant que les souvenirs avaient refait surface, le père Armand semblait désireux de relater son histoire. Il m'a alors expliqué que les techniques de guerre chez les Huns, et chez tous les peuples barbares, étaient foncièrement différentes de celles des anciens Romains, ou des nôtres, nous, les Francs. Les Huns attaquaient en groupe, tirant souvent des flèches tout en approchant, avant de battre soudainement en retraite. Les nations européennes, qui avaient l'habitude de se battre en ligne rangée, voire en corps à corps, trouvaient ces pratiques guerrières incongrues et incompréhensibles. Les barbares ne s'emparaient pas des territoires ennemis. Ils ne tentaient ni de s'approprier ni de coloniser les villes qu'ils attaquaient. Ils ravageaient et pillaient tout sur leur passage, puis rapportaient le butin dans leur camp. À cette époque, l'Empire romain était scindé en deux, le gouvernement ayant estimé qu'une seule et même ville ne pouvait plus administrer efficacement un territoire devenu trop vaste. C'est sur l'Empire d'Orient qu'Attila et les Huns ont dirigé leur premier raid. Il faut savoir que l'Empire romain d'Orient était beaucoup plus riche que celui d'Occident et beaucoup moins vulnérable. Parce que c'était... Il possédait Constantinople, un des carrefours au niveau économique à l'époque. Or, contre, c'est chacun des petits villages dispose de ressources, nourriture, votre arcon, vous indiquez ce que vous devez faire pour les débloquer. C'est un pillage, prenez ce que vous pouvez filer, détruisez les bâtiments, vous pouvez obtenir des ressources, mais ne perdez pas de temps à raser tous les bâtiments ennemis. Mémorisez l'emplacement de chaque ressource, ça pourrait être utile plus tard. Les uns sont toujours retenus à l'âge des châteaux. Or, les uns d'Attila envahissent l'Empire romain d'Orient avec plusieurs cavaleries, mais aucun villageois les attendait à une résistance symbolique de tous les villages. L'armée romaine bleue a une exception car elle dispose d'une passe fortifiée à l'est, ne tentez pas l'invasion tant que vous n'êtes pas préparé. D'autres villages risquent d'avoir de la nourriture, du bois, de l'or, des pierres, des villageois ou des troupes. Voilà. Fait éclaireur. Ouais. Donc on est bloqué à l'âge des châteaux, comme toujours, c'est un pillage, mémorisant pas son irso. L'Empire romain d'Orient réunit ses troupes. Attaquons vite, afin d'avoir assez de ressources pour former notre propre armée. Alors, nous arrivons en premier. Alors, moi j'aime bien essayer de prélever au maximum les PV de mes troupes. Écrasons le forum de Sofia avec nos Tarkans pour voir quel butin nous attend. Donc nous avons déjà cherché voilà. Bizarre à pas crier hein, tiens. Je sais qu'ils ont une caserne. J'ai envie de trouver la caserne en premier pour la démolir en fait. Je sais qu'ils ont une caserne. Je sais. D'accord. La caserne est plus loin. Voilà, j'ai trouvé la caserne. Oh, et surtout ne prenez pas le. N'attaquez pas le forum avant d'avoir éliminé les villageois aux alentours. Sous risque de voir le forum vous tirer dessus. Et donc voir vous pouvoir perdre des troupes. Vous pouvez en perdre sur le forum de Sofia. Ce qui est courant. Je vais être honnête. Donc là ce qui est important. C'est toute la difficulté, c'est qu'il faut laisser. Bah, il y en a bien 4. Il aurait dû rentrer dans le forum, il aurait pu me poser un problème. Bon, normalement, là, même s'ils reconstruisent des villageois, ils pourront jamais les mettre à temps dans le forum, donc ça devrait être bon. Les habitants de Sofia avaient beaucoup de nourriture dans leur forum. Donc là, on a déjà trouvé un énorme gisement de... j'allais dire de bois, mais non, c'est dehors. Le bois n'est pas un problème, de toute façon, de manière générale, dans... À moins que vous soyez dans des maps désertiques, le bois n'est pas une ressource manquante dans le jeu. Donc nous,
On va maintenant trouver le passage à guet. On va partir de Sofia, on va aller vers Nyssa. Et là, on est en Grèce, pour information. Sofia, c'est en Grèce. Thessalonique, c'est en enfin, c'est au nord-ouest de Constantinople. La ville de Nyssa produit le meilleur bois de la région. Prenons tout ce que nous pouvons en détruisant ces camps de bûcherons. Voilà, on dégomme les camps de bûcherons et voilà. Donc ici, bien évidemment, il y aura beaucoup de bois, mais bon, si vous faites bien attention, on voit qu'il y a aussi énormément de bois au milieu. Enfin, là, je vous ai pas encore beaucoup montré le milieu, mais il y en a autre. Il y a vraiment des stocks. Des stocks de quoi se faire plaisir. Hein, Les indigènes parlent de sites sauvages habitant dans les parages. Soyons prudents. On ira y voir plus tard. Les sites sauvages, c'est les oranges. Vous regardez, les sites sont alliés avec nous. Nous nous sommes emparés de tout le bois de Nyssa. Et je me suis un jour posé une question, mais je ne sais plus la réponse. C'est, je crois, là ça a vérifié, que si vous laissez les villages accumuler de plus en plus de ressources, vous en récupérez de plus en plus. Bien non, moi je vous conseillerais de laisser Sofia en vie le plus longtemps possible. Au-delà de ces douves se trouve le fort romain. Évitons-le tant que nous ne sommes pas prêts. En tout cas, c'est pour aller voir les sites. Les sites qui étaient de redoutables cavaliers, qui étaient aussi connus pour leurs chars qui transportaient, enfin qu'ils utilisaient pour le combat. Parce qu'en fait, il faut savoir que les chars, en gros, c'est comme les Égyptiens dans la méthode de combat. Des archers dessus, ou des javeliniers, tout dépend. Et une fois ça fait, c'est... ils ont pas un moine. Je crois qu'ils ont des moines. Je crois qu'ils ont des moines ici. Je me suis fait avoir... tellement bêtement. Voilà. Et vous avez bien vu, j'ai réussi à perdre une unité aussi bêtement que ça. Je me suis souvenu trop tard qu'ils avaient des moines. Les mines d'or d'Adrianople méritent d'être pillées. Détruisons tout leur camp de mineurs. On va juste redétruire ce bâtiment là parce que j'ai pas envie qu'il me refasse. Donc ici, énormément d'or. La pierre, je sais plus où elle se trouve. Y a pas de pierre ? Ah ! Je sais plus où est la pierre dans ce cas. Bon, j'ai perdu bêtement un cavalier. D'habitude, je le perds en affrontant la ville de Thessalonique, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Je sais plus où est le meilleur emplacement pour. On regardera en fin de vidéo où, les différents emplacements qu'il peut y avoir. On essaie de regarder où il y a un bon emplacement pour débuter. Romain, aucun métal ne brille avec autant d'éclat. 420. J'ai cru qu'il m'avait donné 220, non, il m'a donné 420. Alors, ne surtout tuer aucun villageois à Thessalonique. Attends, mais c'est... capture tellement vite. Ouais, j'ai aucune amélioration. Les Huns n'ont pas besoin de maison. Réduisons-les en cendres et emmenons ces villageois avec nous. Il
Ouais, je crois que c'est toujours ici que je m'installe au début parce qu'il y a énormément de gibier de mort dans les parages. Donc voilà, vous rasez les bâtiments. La population, la limite de pop est assez basse, vous voyez, c'est 1075. Faut savoir que la limite au-dessus de 75 arrive avec The Conqueror. Donc là, vous pouvez faire des missions avec 200 de pop, c'est agréable. Au-delà de 200 de pop, le jeu a un peu de mal, qu'on soit honnête. Le jeu, il a... Parce que faut imaginer 200 de pop, mais... Enfin, 500 de pop, par exemple, on peut monter, j'ai déjà vu. Mais fois tous les joueurs, c'est trop. Le jeu n'est pas adapté pour, en fait. Malheureusement. Ces paysans nous obéiront maintenant. Cherchons un endroit pour établir notre camp. Alors moi j'aime bien qu'on soit ici. Parce que c'est... Vous avez une source de nourriture tout de suite là. Énormément de gibier. D'accord, je récupère pas tout le monde. C'est... Vraiment bizarre. Normalement j'ai récupéré tous les villageois qui avaient dans la zone. Mais ça n'a pas été le cas sur ce coup. J'aime bien qu'on soit ici, ben, uniquement parce que vous voyez, il y a tout le gibier là, aux alentours. Et mine de rien, tout ce gibier, c'est quand même bien pratique. Alors ça, ça va être bon. La pierre, je n'ai aucune idée où on a des stocks de pierre, par contre, sur un map. Ici, on va prendre un cavalier qui va aller là. Nous avons maintenant un camp, et nous devons former autant de cavaliers que possible pour faire face aux Romains et passer à l'offensive. Ah. Donc maintenant, construire une base, raser l'armée romaine. C'est bon, j'en ai assez. Oui, j'en ai assez. J'ai suffisamment économisé assez de ressources, c'est bon. Tout va bien se passer. J'ai l'impression que le jeu saccade, mais je suis toujours à 30 FPS constant, donc c'est étonnant. Ça ne m'inspire guère. Ah, moi ça m'inspire, hein. Des têtes, des cadavres, etc. Moi je trouve que c'est une bonne idée d'y aller. Vous êtes fous de pénétrer ici. Amenez-nous 6 de vos villageois, et vous en serez récompensés. Oui, il n'y a plus de quoi leur faire. Donc voilà, c'est comme ça que vous récupérez une bonne petite armée. Mince, je vais spoiler ce qu'on obtenait. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Honnêtement, on s'en fiche un peu ce qu'on... Que je voulais spoiler, c'est pas trop grave. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, normalement, Adrianopolis, tout ça, ils vont vous servir maintenant plus à rien. Mais maintenant, vous allez vous demander pourquoi j'ai fait des béliers et que je suis pas allé à l'ouest. À l'ouest se trouve Dyrrachium. Si je prononce bien. Avec une armée à nous qui s'y trouve. Le problème, c'est que... Je me souviens de cet endroit. Ils y ont déjà emprisonné plusieurs de nos guerriers. Nous devons secourir nos frères uns emprisonnés dans le château avant leur exécution. En gros, c'est des unités que vous avez débloquées grâce à votre champ de vision. Donc, vu que vous avez un grand champ de vision avec votre cavalerie, vous allez les débloquer alors qu'ils sont encore enfermés. La technique, en gros, c'est de vous envoyer des troupes. Non, normalement, ils devraient avoir moins de PV, ils devraient en avoir 900. C'est tout. Sincèrement, c'est tout. Il n'est pas plus grand en garnison. Ah, ils ont aussi. Je vous conseille de passer par là parce qu'ils ont en fait ici. Ils ont un petit fortin. En gros, ils ont.
un peu bloqué la possibilité de contourner. Enfin, ils sont emprisonnés dedans. Leurs troupes ne sortiront pas, mais vous avez un petit fortin avec une onagre, je crois, dedans. Et pas d'unité de tir, donc ils vont vous tirer dessus. Vous... S'il te plaît, attaque-moi cette porte, c'est compliqué. Pff, oh, mais les bugs de collision. Enfin, l'intelligence artificielle du jeu, plutôt. Il y aura toujours un tour de m'exaspérer. Et je sais toujours pas où il y a de la pierre. Il aurait pu attaquer là-haut, mais non. Les troupes auraient avec les gris. Alors, ça, c'est. Non... Avec les histoires des gris, c'est que vous... les troupes ont toujours tendance à aller chercher. Les côtés de l'aigri. Alors maintenant, il n'y a plus personne dedans. Neutraliser la garnison. Et là, c'est très important d'être prudent. Non, on continue. On s'approche de petits fortins que je vous parlais. Le problème, c'est que là, je suis obligé d'avancer à l'aveugle avec mes béliers. Heureusement que les béliers ont un petit champ de vision. Voilà. En envoyant mon cavalerie ici, vous débloquerez, vous sauverez la cavalerie qui est juste derrière, ce que j'aime pas. Donc moi, j'envoie mes béliers. Avec un champ de vision plus restreint. Comme ça, je suis sûr qu'ils attaquent que mes béliers. J'aurais peut-être dû envoyer des tartans avec. Normalement, les béliers devraient suffire, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. J'ai envoyé 3 villageois de plus à l'or. Ça peut surprendre, mais j'ai besoin d'or. Et vu qu'il n'y a pas de pierre, ben autant tout envoyer à l'or. Donc le château va être bientôt rasé, la pierre je ne sais toujours pas où il y en a, et ça me dérange. De toute façon, j'arrive jamais à me rappeler où est la pierre pour cette map, et au bout d'un moment j'ai fait ça. Voilà, merci pour les béliers. Voilà. Grâce à ça, vous avez sauvé les troupes qu'il y avait dedans. Donc, des hussards, le nouveau amélioration de cavalerie légère apparaît avec The Conqueror. Donc, le troisième niveau. Là, vous vous rendez compte que les hussards, maintenant, bah, c'est cette amélioration qui manquait à la cavalerie légère pour qu'elle soit efficace tout au long de la partie. Ah, on rase la ville, là. Voilà. De toute façon, mon armée, y a rien d'autre à faire. Pas demander de faire autre chose alors que j'ai rien à faire. Avec. Ça serait contre-productif. Et je vais quand même vous présenter ce que je vous parlais, même si je risque de perdre des hommes, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Ouais. Tu m'as cherché, t'es mort. Et je sais toujours pas où est la pierre, par contre ça c'est un gros problème. Voilà le fortin que je vous parlais. Donc là on voit des archers, donc ils se sont tués. Et vous êtes obligé de passer par là depuis Sophia, voilà, et une onagre, c'est bien ça, il y a bien une onagre. Je vous déconseille quand même d'affronter de face parce que vous risquez vraiment d'avoir... Voilà, 6 archers et une onagre. C'est compliqué quoi. Vous avez la possibilité de contourner tout ça, de même pas vous en... Ah, la pierre a été trouvée. Ou un sacré gisement. D'accord, d'accord. Là on vient de voir l'armée
Ah, mais ça par contre, c'est une excellente nouvelle. Avoir trouvé les gisements de pierre. D'ailleurs, eux, ils vont rester ici. Eux, ils vont y aller. Ça ira plus vite. D'accord, il me faut vraiment ma cavalerie. Le fait qu'il manque un archer de cavalerie, ça me dérange un peu. Parce qu'il aurait dû être mort. Bah, de mémoire, il aurait dû mourir. Pourquoi vous intervenez pas, ma... Putain, je les ai mal ordonné, voilà. Je vais perdre... Le bâtiment est mort. Je risque de le perdre à cause de... J'aurais dû le perdre. J'aurais dû le perdre. La cavalerie, intervenez. C'est ça que parfois qu'on va les... L'attaque clic n'est pas toujours fonctionnelle. Et voilà, je fais attaque... Attaque Q-Click ne marche pas sur ce jeu. Ce qui est affreusement déroutant. Ça a donc... Moi, ne pas pouvoir faire Attaque Click ou Move Click, c'est un truc qui m'énerve dans les jeux de stratégie maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux faire déjà 2 de plus. Normalement, on doit récupérer dans tous les villageois. Rien que ça, c'est déjà un truc qui est déjà énervant dans cette. Qui va être énervant pour tout le long de la mission, étant donné que j'aurais déjà dû récupérer tous les villageois, je les ai jamais tous récupérés. Donc j'ai déjà. Rien que ça, ça me pénalise déjà pour le lancement de mon économie. Après, il y a peut-être certaines conditions à faire pour tous les récupérer, je sais pas. Ok, en soi, je me suis fait avoir. Trop habitué maintenant à Age of Mythology. Age of Mythology, vous n'avez pas de sous-menu en fait. Bon, vous avez bien moins de choix militaires, mais vous n'avez pas de sous-menu. J'ai jamais de ressources, mais... Punaise, vache quoi, j'ai besoin de ressources là. Bon ben, la vidéo va durer encore un moment. Hein. Parce que vu le temps qu'il me faut pour avoir les ressources, c'est pas... Ça va pas être du rapide. Hein.